Non, non, c'est pas du Lexomil, hein. C'est les pistaches, parce que j'adore les pistaches. Ah, j'adore les pistaches. Ah ouais. Vous connaissez le tour de la pistache, non? Non. Vous connaissez pas le tour de la pistache? Tenez, choisissez une pistache. Moi. Qui vous fait plaisir? Celle-là. Celle-ci. Donc ça, j'en ai pas besoin. Et... Alors, le tour de la pistache. C'est un tour que m'a appris mon grand-père qui était un grand magicien. Alors, vous prenez une pistache. Je la mets dans ma main. Je la mets dans ma poche. Il faut qu'elle revienne sous la petite tasse sans qu'on s'en aperçoive. D'accord? Vous suivez? Oui. Alors là, ça va. Oui. Parce que là, ça va. Ouais. Là, dans la poche. Voilà. Et bien sûr, il suffit de faire crac et ça revient. Donc, je recommence pour ceux qui n'ont pas bien vu. Pistache. Bien. Alors, je pistache ici, bien sûr. Voilà. Et maintenant, il suffit de claquer des doigts et puis, hop, ça revient. Bon, une troisième fois pour ceux qui n'ont pas bien vu. Ah, sérieux, parce qu'il suffit simplement de claquer et puis, et ça revient encore. Oh là là, c'est marrant. Ce qui est rigolo, c'est que même si on claque comme ça, elle peut même changer de couleur. Ah non, c'est bien ça. Ça, c'est incroyable. Ah, oui, ça, c'est... Vous pensez qu'elle y est encore ou pas? Oui. On sait plus. Mmh. Je sais pas. Oui, elle est là. Ben, moi, je vous parie 20 euros qu'elle a disparu. Elle est là. Ben, je sais pas si je... Elle avait bien disparu. Alors, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est le billet est-il vrai? Oui. Savez-vous comment on l'en fait pour savoir si le billet est vrai ou pas? Non. Non. Vous donnez le mot, on va le dépenser. Non, pas stylo, pas du tout. Il faut avoir une clé. Il faut avoir une clé. Non, je ne sais pas si j'ai un trousseau de clé. Ah, voilà, je dois avoir un trousseau de clé. On le brûle. Pas du tout. Il faut avoir une clé. Un trousseau de clé. Alors, vous prenez le billet comme ceci. Vous mettez la billet au milieu. Ah, d'accord. Et alors là, vous prenez le billet. Vous pouvez même agrandir le trou. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si le billet est vrai, le trou disparaît complètement. Ah, ça veut dire que c'est un vrai billet. J'ai rien vu. Alors, je peux vous emprunter le verre là? Oui, bien sûr. Celui-ci? Oui. Alors, vous savez, pour faire passer une pistache dans un verre, il n'y a qu'une solution. C'est-à-dire, vous mettez la pistache dans le verre, comme ceci. Évidemment, la faire passer comme ça, c'est plus difficile. Ouais. D'accord? Alors, regardez bien. Et là, il suffit de mettre la pistache comme ça. Et là, vous faites. Oh. Et là, la pistache passe à travers. Bravo! 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 Bravo